C'est l'occasion de souffler des bougies. C'est aussi l'occasion de s'amuser. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 8 février 2024 et 21h19. Désolé pour cette heure un petit peu tardive pour lancer un stream. Est-ce que tu testes aussi des maps de viewers ce soir, JD? Éventuellement, on peut commencer par ça si jamais il y a 2-3 personnes dans le chat qui ont des maps dont ils sont fiers et qui veulent nous proposer, c'est possible. Le but de ce stream, néanmoins, c'est aussi de faire des maps qui ont été partagées par le compte FG Creative Maps sur Twitter qu'on m'avait suggéré la dernière fois. J'ai trouvé ce compte très chouette et il y a plein de trucs qu'on va pouvoir tester dessus. Mais on peut commencer par ta map Emelindé bien sûr, et s'il y a 2-3 autres personnes dans le chat qui veulent proposer des maps en soi, c'est tout à fait possible. On peut commencer par ça, il n'y a aucun problème. Alors. Je vais quand même noter ton code au cas où il y en ait d'autres pour pas m'embrouiller. Hop là. Voilà, si jamais vous avez des maps à proposer, n'hésitez pas à les proposer. Donc ce soir, nous allons jouer donc à des maps assez chouettes et on va les jouer avec vous. Donc si vous avez Fall Guys... Si vous avez Fall Guys, n'hésitez pas à lancer le jeu parce que je vais mettre un petit code dans le chat dans quelques instants et enfin même vous le verrez à l'écran et vous pourrez rejoindre afin de pouvoir tester ces maps avec moi. On va essayer de faire des maps qui sont plutôt chouettes dans l'ensemble. Je vais essayer de faire un petit tri sur celles que j'ai dans, sur ce, le compte Twitter qu'on m'avait conseillé. Et donc voilà, c'est ce qui est au programme ce soir tout simplement. Je pense pas qu'on fera d'autres trucs, on verra. Demain on jouera probablement sur une nouvelle session du jeu Steep, une nouvelle session, on continuera notre aventure après avoir recommencé le jeu la semaine dernière, vendredi dernier, et on va probablement continuer d'y jouer demain. Et voilà. Voilà ce qui est au programme. Allez, je vais lancer directement Fall Guys. Hop. Préparez vos consoles pour join la partie. Bonsoir ta French. Merci beaucoup Akiro. En fait, même si en soi, c'est, en fait, t'as une alerte. Mais pour un truc qu'on t'a offert, mais tu peux quand même jouer l'alerte parce qu'on t'a offert un sub pour 6 mois. Mais c'est trop. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça, c'est trop bien. C'est trop bien. L'avènement, non, je regarde juste les... Bon, attendez, je vais vous partager déjà l'écran. Mais je savais pas qu'il y avait des... Qu'est-ce qu'on a en ce moment? Ouais, on a rien en ce moment. On a rien.
On a rien de spé, on a rien d'intéressant. Ouais, il est marqué rapide. Il est marqué rapide, mais c'est pas rapide. Le solo, c'est l'émission la plus longue, littéralement, probablement. Émission personnalisée, hébergée. Voici le code. Attention, il arrive. Hop, le code est là. Je vous laisse quelques instants pour rejoindre. De toute façon, on va commencer par une map 10 joueurs. Map de Emeline D. Tac. Le parc des Marguerites. Le parc des Marguerites d'Emeline D. Je rappelle que si vous voulez proposer quelques maps avant qu'on attaque les maps que j'ai... En fait, j'allais dire que j'ai glané sur Twitter. Non, parce qu'en fait, je vais faire le tri un peu en direct. Ah, c'est rapide, le matchmaking. Ok, Thierry Titi, peut-être, ouais. Peut-être bien. Je laisse encore quelques instants, un petit temps pour rejoindre, mais je vais pas trop tarder à lancer non plus. À la rigueur, dites-moi dans le chat si jamais vous voulez qu'on vous attende quelques instants. Mais on va pas attendre non plus 10 000 ans, sachant qu'on va faire que ça toute la soirée, donc il y aura moyen de rejoindre au cours de la soirée, bien sûr. Salut la Moonrain. On est 7 déjà. Il y a 2 personnes qu'on rejoint en plus, c'est bien. En vrai, je vais lancer. Et on va voir cette map que nous a concoctée Emeline D qui est dans le chat. Ça appartient à Amazon depuis quand Twitch ? Ah, je sais plus, 2018, 2019, quelque chose comme ça, non ? Ça fait longtemps maintenant. Ah mais il y a un checkpoint en dessous. On va aller le chercher au cas où ce checkpoint quand même. Ok. Non, on y voit pas grand chose là. What? Comment il a réussi à passer? Ah, faut être sur cette... tranche là. Ah là là, j'ai été premier toute la game. Il arrivera qui m'a eu. Ah du coup c'est pas pour ça Thierry Titi. Coucou Miralbol. Ah bah il faut demander à la principale intéressée, ça gêne quand je dis Emeline D, il faut que je dise Emeline D. Emeline D, c'est à toi de nous dire s'il faut t'appeler Emeline D ou Emeline D. Je suis désolé si j'écorche le prénom. En plus quand j'étais petit et tout j'avais... C'est vrai, j'avais des Emeline dans ma classe et c'est vrai, je disais plus Emeline que Emeline. J'ai jamais fait trop gaffe. Salut Sora. T'inquiète, je suis habitué, mais oui, normalement c'est Emeline D. Mais après, mais c'est pas grave. Ok, je vais essayer d'y penser, mais bon. Ok.
Écoutez, on va passer à des maps créatives. Vous allez encore avoir quelques instants pour rejoindre. Enfin, des maps qui viennent de Twitter. Cette map va l'air incroyable. Hop, je vous remets le code ici si jamais vous voulez join. Je ne vous spoil pas, mais la map a l'air ouf, en vrai. La map s'appelle Route 20. Je vous laisse réfléchir à ce que ça pourrait être. Des trucs bien qui viennent de Twitter, un miracle, exactement. Allez, c'est parti. Alors la map s'appelle donc Route 20. Vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Vous pouvez vous aider avec la description juste au-dessus. Mais ça m'intrigue beaucoup et il y a moyen que ce soit bien. Il y a moyen que ce soit vraiment bien. Déjà, juste le start, il est incroyable. J'imagine qu'il... Waouh ! Ok. J'imagine faut pas tomber dans l'eau. Merde, il y avait un passage au-dessus. Bon, c'est pas grave. C'est trop trop stylé. Ah mais merde, je suis con, ouais, c'est bête d'aller là. Wouah, le Magikarp, ok, il est sur une attaque plus que trempette là. Il y a Coquillas, il y a Lupio. C'est Lupio ça? Je crois bien, hein. Wouah. Oh la dingue. Merde, j'ai raté ma glissade. Mais vraiment trop stylé la map en vrai. Non! Ah! Je suis tombé dans l'eau. Ok. Méga stylé en vrai. Le Pistari ici aussi. La map est vraiment ouf. La map est incroyable. Franchement, c'est carré, carré, carré. Très, très, très bien. Ok, attendez, je vous remets le code pour les gens qui veulent join. C'est fait sans mode. Je pense que oui, hein. Je pense que c'est à peu près fait sans mode. Ah, une peut-être un peu plus difficile, mais qui a l'air sympa aussi. Hop. Elle a l'air plus difficile, hein, je vous préviens. Est-ce que j'attends encore un petit peu? Est-ce que je lance? En vrai, vous rejoindrez pour la prochaine si jamais vous n'avez pas eu le temps de rejoindre maintenant. J'ai une mise à jour puis j'arrive. Bah pour la prochaine, ce sera parfait. Allez, let's go. Donc c'est une map qui va se passer à l'intérieur d'un serpent. On en avait déjà vu par le passé, je crois. Ça se trouve, il y a des cuts possibles, hein, mais bon.
Oh putain, le timing est tellement serré. Le timing est très très serré déjà. J'ai pas les APM nécessaires moi pour faire un truc pareil. Ok. Ok, le serpent qui a mangé une petite pizza là. Wow, on s'enfonce un peu là. Ah, moi je veux ça moi. Ok. Non! Oh, je suis à chier, c'est catastrophique. Comment ils font pour monter aussitôt eux? Non, ils ont pas les mêmes timings que moi, c'est marrant. Ok. Ouais, y'a un panneau en mode ok. Waouh! Ok. Non, c'est bon. Ah, il a mangé un burger. Ok, je me suis un peu embourbé, mais ça va. Ouh, merde. Ouh, putain. Non! Ah, on peut remonter, ok, ça va. Ça va, on peut remonter. Petit checkpoint. What? Je pense que c'était pas censé se passer comme ça, ça. Mais c'est pas grave. Wouah, stylé. Ok. Fouah. Ah ouais. Trop bien la map, juste un peu déçu de qu'il y a plein de séquences de glissade où j'ai pas glissé. Ok, bravo. Plein de passages glissades où j'ai pas glissé, c'est un peu dommage, mais sinon c'était vraiment chouette. Je vous laisse spec les prochains joueurs en attendant de trouver une nouvelle map. Je vais regarder un peu ce qu'il y a. Ouais, ça me chauffe pas trop. Ça peut être sympa. Attendez, je regarde un peu. Ah, ça peut être sympa. J'ai peur que ce soit trop décoratif, mais ça peut être... Non, elle a l'air vraiment bien. Ok. Ok, j'ai trouvé une nouvelle map pour la prochaine. Il reste de toute façon 10 secondes, là. Donc on va passer à la suite. Ouais. Je regarde pour après. Ah oui, ok, j'en ai une bien après encore. C'est trop bien mappé, agréable à jouer et beau. De fou, hein. Ok, vous pouvez rejoindre le lobby pendant quelques instants. KTWG8. Vous avez quelques instants pour rejoindre, mais dépêchez-vous, on va lancer d'ici environ 15 secondes. Salut top 2, on refera peut-être des maps des viewers un peu après si jamais, mais là pour l'instant on fait quelques maps qui viennent de Twitter. Et on en fait quelques-unes après des viewers, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Vous pourrez rejoindre à la prochaine si vous voulez, bien sûr.
Bah t'inquiète, tu vas tomber sur la mienne alors, c'est vrai ? Ah mais je les fais pas toutes hein, j'en fais que certaines. J'essaierai de la voir passer, j'essaierai de voir si je la vois passer. On verra. Donc un palace, une map de 5 minutes. Ok. C'est joli. Ouais, les petites flèches au sol là, c'est vraiment pas mal. Oui, il a fait... Ah oui, ok. Waouh. Merde, je me suis fait bait. Heureusement qu'il y avait un checkpoint avant. Ok. Non, c'est du bait ça. Pourquoi j'ai fait ça? Ok, ça va. Checkpoint à nouveau. Très très stylé. Ouais, je prends celles qui sont proposées par le compte Twitter Fall Guys Créatif, ouais. Il y a d'autres comptes intéressants comme ça qui proposent des maps top 2. En tout cas, celle-là elle était super super chouette aussi. Un élément de plus pour obtenir des avancées concrètes. Merci Jean Cac pour le 42e mois, merci beaucoup. mais ouais, franchement, il y a des maps, on a trop envie de les avoir dans la playlist globale. Ou alors de pouvoir faire des émissions, enfin ouais, qu'il y ait une émission avec que des maps cool comme ça. Parce que là, franchement, c'est stylé de fou. Hein. Attention à la barre. Ok, c'est bon. Sur la sucette. Ok. Très stylé. Les checkpoints cachés sont propres, ouais, de fou. Ils sont bien placés en plus. Non, elle est vraiment agréable cette map. Elle est vraiment bien. Cette map, je trouve, ça pourrait être une finale ou une avant-dernière manche, en vrai. Il y a, ouais, même en avant-avant-dernière, elle me choque pas, en fait, vu qu'elle est un peu... Vu qu'elle est un petit peu, comment dire... Le début est large, après il y a des endroits plus étroits, mais c'est plus tard dans la game, donc ça me choque pas, en vrai. Ok, les amis, on va partir sur une map à Paris... Ok, Anne Hidalgo de retour dans Fall Guys. Vous pouvez rejoindre pendant quelques instants si vous le souhaitez. Avec le code KTWG8. Et si vous ne rejoignez pas très rapidement, et ben ce sera pour la prochaine, bien sûr. Avec ou sans les JO, on va voir ça tout de suite. Le suspense est insoutenable. Merci Tonton Velu pour le 9e mois, merci beaucoup. Jean-Marc Hiro sont capables de le faire. Allez. C'est parti. Pour l'instant, je regarde ce qu'on a de beau dans les propales. La ville de l'amour, bien sûr. Ok.
Ouais, je sais pas trop ce que ça représente dans Paris, mais tranquille en vrai. Oh, il y a des petits cœurs. Oh, mais il y a des petits cœurs. Oh, il y a pas de petits cœurs. Oh, il y a le petit banc. Il y a un petit banc. On passe par-dessus la scène. Très 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 beau. On pourrait normalement théoriquement se baigner dedans hein, d'ailleurs. Là voilà, je l'ai pas fait mais c'est possible. Et alors là, je sais pas trop, là c'est quoi? C'est la foire du trône là, c'est... Ah non, c'est le manège qui est en bas de... Qui est en bas de... Du Sacré-Cœur, je pense, c'est ça le... Ou alors c'est le carreau... Ah, je sais pas. Ça peut être plusieurs trucs, hein, vraiment. Alors, ne plus avoir de boost maintenant, c'est un problème pour moi. Oh, il y a des petits cœurs. Oh, le saut est un peu pixel, là, quand même. Hop là, c'est win sur Paris, bien sûr. C'est un top, hein. Mais du coup, attends, ça, c'est censé être... Bon. Putain, j'avais même pas vu qu'il y avait la tour Eiffel. Attendez. C'est la tour Eiffel, ça? Ouais. Ok, ouais, bon. Ça va, c'est rigolo. Ma map préf de tous les temps, celle-là. Ah ouais, t'as bien aimé? Ouais, elle est très mimi, elle est très sympa. Je trouve que c'est très... Bon, c'est une représentation de Paris assez symbolique, quoi. Enfin, voilà, disons que... On n'est pas non plus... Mais oui, non, c'est sympa, c'est très sympa. Ah, les gens se galèrent un peu en vrai. Hein. Ok. Attendez, je regarde si j'en ai une après. Ah, j'en ai une où j'ai pas beaucoup d'aperçus. Ouais, on va la tenter quand même. On fera un temple après. On fera un temple. C'est la Emily in Paris des maps de Paris. Ouais, c'est un peu ce que je me disais, j'avoue. Il y a 2-3 passages un peu chauds sur la map. Donc c'est pas une map si facile que ça non plus. Mais elle est chouette. Je pense que là, on va devoir attendre le time-out parce que je pense pas qu'il y aura encore 7 personnes qui vont se qualifier. Ouais, c'est très sympa. En vrai, c'est très sympa.
Le passage sur les trampolines est assez compliqué si tu es avec d'autres haricots. Effectivement, ouais. Mais le passage sur les trampolines est un peu dur parce qu'en fait, je trouve que tu peux pas anticiper. Je sais pas s'il y a des gens qui y sont encore, voilà. Je trouve en fait, t'as du mal à comprendre, à visualiser à l'avance qu'en fait, les trampos, après les roues qui tournent, là, les trampos, ils vont être au milieu, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais je trouvais que cette partie était pas ultra intuitive. IRL non plus, c'est pas giga facile comme map Paris. C'est pas faux. C'est pas faux. Ok, et bah écoutez, c'était vachement sympa. On va passer donc sur une map de temple. Préparez vos jeux si vous voulez rejoindre. Le code va s'afficher pendant quelques petits instants. Mais ça va être assez furtif. Hop. Le temple englouti. Le temple inondé. Pendant ce temps, je regarde un peu les maps que je peux potentiellement faire après. Celle-là a pas l'air réellement ouf. À voir. Écoutez, c'est parti pour le temple englouti. Si vous voulez rejoindre la prochaine, et ben notez le code et rejoignez dès qu'on termine la prochaine partie. Ah non, c'est pas incroyable ça. Map dans l'espace, il faudrait qu'on en fasse au moins une, mais j'en cherche. Je pense qu'il y a moyen d'en trouver des vraiment bien. Ouais, celle-là. Non, ça a l'air horrible, faut porter des ventilos et tout. Bon. Faisons déjà celle-ci. On va voir ce qu'elle vaut. C'était des trampolines, d'accord. Ok. Wouah, ça fait bizarre un peu, niveau éclairage. Ok, après elle est assez classique comme map en vrai. Ah non. Terrible. Ouais, le timing est compliqué là-dessus hein, quand même. On a du mal à comprendre où est chaque truc. En fait, les trucs orange, c'est les safe way. Enfin, les safe way, les safe zones, pardon. Ah, putain, du coup, faut que je recommence de là en plus. Ah, je me galère de fou. Ok. Ouais, ce passage-là, il est dur. En vrai, je crois que je suis l'un des seuls à galérer. Hein. Quasiment tout le monde l'a passé. Je suis un des seuls connards qui se galère. Chef, je suis à chier. C'est une catastrophe. Eh ben, je serais pas qualifié sur celle-là. Bon, il reste pas grand-chose hein, après. Mais bravo à vous. Ok, en vrai, elle était cool. Elle était cool. Un peu dure la fin, mais très sympa quand même. Oh, celle-là, elle me tente bien pour le côté artistique. Je sais pas si elle va être bien, mais le côté artistique me tente beaucoup. Donc, je vais vous montrer celle-ci. Hop, le code. Hop. Yes. Attendez, du coup, je l'ai perdu de vue. C'était celle-ci. Copier. Voilà. Vous pouvez rejoindre pendant quelques instants et c'est parti pour une map assez spéciale en termes de visuel. On va voir ce que ça donne. Allez, let's gong. Ça, ça a l'air aux F. Ça, qu'est-ce qu'on en dit? Ça, ça peut être sympa. Ça, on va le prendre. Ah bah, t'y es, top 2. Je vois une de tes maps top 2, là. On l'a déjà faite la dernière fois?
Je vois une map à toi et je crois bien qu'on l'a jamais faite. Hein. Ok. C'est parti pour cette map qui est très particulière au vu des couleurs. Ah, c'est là? Ok. Je me demande vraiment comment ça a été fait tout ça, mais bravo. Waouh. Trop bien fait en vrai. Oh non, il a pas rebondi, je sais pas pourquoi. Très très stylé. Mais par contre, tout le monde se galère. Hein. Vraisemblablement, je suis vraiment pas le seul. Oh. Non, ne tombe pas. Ok, j'ai eu le checkpoint. Putain, mais même le checkpoint, il est fait comme ça. Trop stylé. J'avais pas vu les flèches. Ok. Ah, la DA est ouf en vrai. Hein. La DA est vraiment ouf. C'est quoi ça, hein? Ok. Mm-hmm. Wow, c'est quoi ça? Faut aller au milieu? Ok. Je peux aller sur les petites... Ouais. Je joue un peu safe, hein, désolé. Et là, faut aller dans le tunnel. Oh, c'est trop stylé, en vrai. C'est trop stylé. Chapeau. Et c'est un petit top 1. Vas-y, top 2, balance un code si tu veux. Balance un code dans le chat. Si tu penses que t'en as une mieux que Negative Space Station. Mais Negative Space Station a l'air pas mal, hein. Jamais joué à Ratchet, non. Oh, vas-y, balance mieux si tu veux, top 2. Si tu penses que t'as mieux, balance-nous un code. On peut prendre ce code-là. Non, mais par contre, quel bourbier ça a dû être de créer cette map, en vrai. Merde, désolé. C'est l'occasion de souffler des bougies. Merci à Théorie du Ruissellement pour le Prime. Bienvenue dans ton sixième mois, merci beaucoup. Merci, merci. Bon, les gens se galèrent sur cette map, par contre. Elle est dure. Elle est objectivement dure, mais elle est bien. Mais elle est dure. S'il y a des gens qui sont sur la dernière phase... Ça, c'est pas la dernière phase. Ça... C'est le début. Ça... C'est le début. Ouais, il y a encore plein de gens, ils sont bloqués au début. Ouais, désolé les gens qui sont dans la game. La map est vraiment dure, en vrai. Vous inquiétez pas, c'est normal. Ok. Parce que quand tu dis top 2 que t'as la map négative Space Station, c'est la map bêta de la match. Tu parles de quelle mise à jour? Tu parles de quelle mise à jour exactement? De la mise à jour... Est-ce qu'il y a eu encore une nouvelle mise à jour ou la dernière c'est celle où on pouvait un peu étirer tous les blocs qu'on voulait, etc. Où ils ont rajouté les boules, etc. Où il y en a eu encore une depuis.
Non, la dernière, c'est celle-là. C'est celle où on pouvait un peu étirer tout comme on voulait et rajouter les boules, les pyramides et tout. Et les stickers. Il y a eu une mage 10.7. Est-ce qu'il va y avoir le patch note sur le site de Fall Guys? Je vais regarder. Oui, voilà, celle des boules. Ah oui, oui, ok. Actualité. Ouais, autocollant et forme géométrique du 23 janvier 2024. C'est celle-là la dernière mise à jour, on est d'accord. Il n'y a pas eu une petite remise à jour par-dessus pour l'instant. Oh, désolé pour les gens qui sont dans la game et qui se galèrent, c'est bientôt terminé le cauchemar. C'est la map que j'ai fait le jour de la mage, mais depuis, j'ai... De quoi? Depuis t'as quoi? On ne saura jamais la suite de la phrase de top 2. Oh non, Charlène. Désolé, je sais pas écrire, mais t'inquiète. Mais le maître du suspense de fou, là. J'ai fait mieux, ok. Putain, ouais. Désolé les gens qui se galèrent, moi j'avoue, j'ai terminé assez vite. Je pense qu'on va bientôt avoir le cooldown, je pense qu'il est à 10 minutes. Mais j'aime beaucoup cette map, en vrai, j'aime beaucoup le concept. Et je me dis, je vois à peu près comment faire ça, mais ça doit être tellement chiant. Ça doit être très très chiant à faire quand même. Et stylé ce passage aussi. Allez, saute. Ah, bravo. Ah, il y en a qui ont FF. Salut Petit Matt. Non. Ouais, la première phase avec les planètes, il y en a vraiment qui se galèrent de fou. Hein. Bravo Nerivra. Allez Molano, c'est ton moment. Personne ne pourra l'empêcher d'avancer. Voilà, personne ne pourra l'empêcher d'avancer. Merci beaucoup le petit chat des bois pour ton prime, merci merci. Et merci Jamy de Pain pour ton 10e mois, merci beaucoup. Encore et toujours. On va passer à une autre map dans quelques petits instants les amis, dès que ça termine pour celle-là, je laisse quand même les gens faire leurs essais. En fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des petites barres tapis roulants, ces maps là, c'est les barres là que vous avez là. C'est des petits tapis roulants invisibles. C'est pour ça que peut-être les gens comprennent pas pourquoi, juste en étant spectateur, pourquoi c'est galère. En fait, c'est parce que les petites barres sont des tapis roulants invisibles qui font aller vers l'avant. Donc, c'est pas si facile de se contrôler dessus. Ah, il faut vite sauter. Ouais, l'angle est vraiment pas facile non plus. Le début, quand t'es au milieu des gens, c'est un enfer. Ouais, ouais, ça a l'air d'être un bourbier incroyable. Oui! Non! Terrible. Birdie qui donne tout. Hein. Après, c'est pas forcément des maps... c'est vraiment... Elle est vraiment dure, celle-là, en vrai. Vraiment. Bravo, Charlène! Pour la ligne d'arrivée. Moi je pense qu'on va pas tarder à arriver sur les 30 dernières secondes. Sauf s'ils ont ajouté le timer et que maintenant on peut mettre 20 minutes. Mais si on peut mettre 20 minutes, ça va nous faire attendre quand même assez longtemps. Bravo Brandcraft pour la ligne d'arrivée. J'ai mal aux doigts. Ah ouais. Non, c'est toujours 10 minutes. Ok. On dirait presque un autre jeu cette map, c'est fou, ouais carrément.
Allez, à 10 secondes de la fin, il va passer le premier checkpoint, Birdie. Allez, Birdie, passe-nous ce checkpoint. Voilà, c'est la petite victoire, en vrai. C'est une victoire, moi, je considère que c'est une victoire. Vraiment dur, mais très joli. Ouais, par contre, vraiment très dur, en vrai. Hop, le code, si vous voulez rejoindre, il vous reste quelques instants. KTWG8. Et on va faire une map de top 2 Forever qui est dans le chat actuellement et qui nous a proposé une map sur la thématique volcan. Et bah ça peut être intéressant, on va regarder ça tout de suite. Et voilà, on fait un petit écart. Et comment ça se fait? Alors pourquoi top 2, ta map d'avant, elle a été partagée par le compte Fall Guys Creative et pas celle-là? Genre c'est en attente, c'est juste ils en ont pas voulu, tu leur as pas proposé. C'est quoi qui fait qu'ils en partagent certaines et pas d'autres? C'est volcan grondant. J'ai trop de mal, trop dur cette map. Elle était vraiment dure. Mais celle-ci apparemment va être plus facile. 3 minutes. 3 minutes, par contre, il y aura juste les 60% qualifiés. Donc ça va aller assez vite quand même. Il est full. En fait, il travaille dans le passé. Ah, genre... oui, d'accord. Donc il y a un peu de retard parce qu'il a trop de... Trop de propositions. Waouh! C'est grave stylé en vrai par contre. C'est incroyablement stylé. C'est hyper beau. Ah, je dis bravo pour ça. Je dis bravo. C'est incroyable. Le checkpoint. Oh, c'est... oh franchement c'est méga stylé. Bravo. Wow. Ok. Incroyable en vrai. Ah ouais, avec la lave et tout. Oh là là. Du génie tout simplement. Non. Ok. Ah merde. C'est lui qui nous attend. Allez, dans la lave! J'ai poussé le créateur de la map dans la lave. Je suis extrêmement fier. Merci Elenaria pour ton raid. Merci, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon stream. La map qu'on vient de faire, qui est donc une map de top 2 Forever, qui est dans le chat. Absolument incroyable, vraiment félicitations, c'est du très 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 beau boulot. Bravo, bravo. T'en as refait d'autres que t'aimes vraiment bien? Merci Gax pour le Prime. T'en as vraiment d'autres des récentes que t'as fait et que t'aimes vraiment bien top 2? Ça se passe bien Fall Guys, ça... On a commencé il n'y a pas très longtemps mais on fait que des maps hyper chouettes. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre encore une fois, il y a le code au-dessus si jamais vous voulez rejoindre, vous avez quelques instants. Tu veux en proposer une autre top 2 ou je refais une map... Ou alors je peux refaire une petite map en attendant, une petite map de Twitter. Ouais, après je crois que j'en avais vu pas mal. Ouais, celle-là. Ouais, celle-là assez classique, elle a l'air assez chouette. Ah, attendez, top 2 nous en a proposé une autre. Hop. Magicien. On est 20 dans le lobby, il reste quelques places. Je vais lancer la game, mais si jamais vous voulez rejoindre pour les prochaines fois, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous lancez le jeu, vous allez dans émission personnalisée et vous taperez le code dès qu'on termine cette game. Mais j'ai genre 4 dernières maps un peu fun dont je suis fier. Ah bah vas-y, hein, go, carrément. Carrément. Faut en profiter, hein. Vous savez si sur Switch on peut faire des games custom sans le online? Ah je sais pas, est-ce que le online de Fall Guys il fonctionne sans payer le Nintendo Switch Online les amis dans le chat? Est-ce que vous avez cette info? Waouh 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 waouh! Oh c'est trop bien fait!
L'idée est ouf en vrai. Très très stylé. C'est indépendant, donc oui, a priori, vous pourrez quand même rejoindre. Ok. Oh, stop les Expelliarmus, là. Oh là là. Je suis trop à chier, c'est ça le problème. Ok. Wow, les briques comme ça, c'est méga stylé. Hein. Il y avait un trou, je suis dégoûté. Heureusement, il y avait un checkpoint avant. Ah, il est traître, ce trou. Oh non, j'ai même pas réussi à me qualifier. Bon, j'étais devant la ligne d'arrivée, mais ok, bravo. Très, très, très stylé. Vas-y, si tu veux en balancer une, top 2, c'est le moment. Sinon, j'en prends une de Twitter si tu balances pas un code dans les 10 secondes. J'en ai déjà une de prête. En fait, j'en ai une de... Vas-y, tu sais quoi, j'en ai une de prête, je prends celle d'après. Enfin, je prends la tienne juste après. Hop, on prend une map dans l'espace. Et après, on prend une map de top 2. Si on a encore à nous proposer. Si vous avez été déco, vous avez quelques instants pour rejoindre. En vrai, ce sera pour la prochaine fois plutôt. Si jamais vous voulez rejoindre, ce sera pour la prochaine. Je rappelle que le code, c'est KTWG8. N'hésitez pas à le noter si vous voulez rejoindre rapidement dès qu'on quitte cette nouvelle map dans l'espace. Ok. Alors une map qui a l'air un peu plus classique. On va voir ce que ça donne. Salut Copico. Ah! Il y a exactement un an. Merci à ton pour l'année d'abonnement. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ok, j'ai pas compris comment je m'étais viandé la fois d'avant. J'ai envie de tenter par le haut, hein. Est-ce que c'est réellement un cut? Ah oui, 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 oui. Oh non! Ah, il faut que j'arrête de sauter en même temps, voilà. Trop stylé la map, très très bien. Très très stylé. Très 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 chouette. Par le haut, c'est une dinguerie avec le bon timing des propulseurs là. J'ai pas trop fait gaffe. Mais très très sympa. Attendez, je vous remonte le code. Voilà. Vas-y, top 2, c'est maintenant si tu veux balancer un code. C'est maintenant. Tu vas refaire du Mario Party, j'aimerais bien en refaire à l'occasion, mais il faut trouver des gens avec qui jouer. Mais on a toujours notre projet avec Exaïd de faire un 50 tours contre deux bots sur Mario Party 3. Mais après, avec les Ozo un peu dingus, etc., faut voir si j'arrive à les motiver, quoi. J'ai pas trop envie que ce soit un traquenard s'ils ont pas envie d'y jouer non plus. Ok, et ben on va y aller.
commence à y avoir du niveau dans le lobby un peu. Ouais, les gens sont chauds, en vrai, les gens sont chauds. Allez, c'est parti. Donc, piscine olympique. C'est bien ça que ça veut dire. C'est une map concept. Ok, on va voir. On va voir ce que ça donne. Une seule mécanique, très rapide, facile, 2 minutes. Ok. On gagne du temps en étant... Ok. Ah, oh, c'est complètement con. Ah, oh, ça me régale comment c'est teubé. C'est très très con. C'est très très con, mais bravo. Il fallait y penser. Félicitations. J'ai eu la médaille de bronze. Ah ouais. En vrai, je pense que ça pourrait frustrer si ça tombait souvent. Ah, il faut qu'il y ait une personne qui quitte pour celle-là. S'il y a une personne qui veut bien se dévouer et quitter quelques instants. S'il y a une personne qui veut bien quitter quelques instants pour la prochaine map. Ce serait adorable. Ok, ne quittez plus, ne quittez plus, ne quittez plus. Hop là. En vrai, ce serait marrant de l'avoir en finale. une fois de temps en temps que tu fais une finale. Et la finale, c'est... épreuve natation, quoi. J'ai perdu du temps à vouloir utiliser le plongeoir. Non, j'avoue. Faudrait que le plongeoir, il donne un petit boost. Ok, donc une map sur le thème de l'amour. On va voir ce que ça donne. Waouh, il a pas plongé mon perso. Ça commence mal. Ok. Le timing m'intéresse peu. Ah oui, il faut aller par là, d'accord. Vite! C'est bon. Y'a pas de checkpoint là? Ah oui, juste après, d'accord. C'est très beau, hein. C'est très beau. Waouh! Waouh, c'est trop bizarre par contre, visuellement, comment ça rend les trampolines comme ça là. Ok. F. Il est dur à... Ah. Merde. Ok, j'aime bien, j'aime bien. Ça, c'est une map, elle pourrait être dans les roulements officiels, hein, franchement. Ça, c'est trop le genre de map qui peut être dans les roulements officiels. Ok. C'est bon. C'est win. Très 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 sympa. Ah oui, tu penses que c'est par rapport à la Saint-Valentin qui arrive bientôt? Ouais, peut-être. J'avais même pas pensé à ça, putain. Et vous savez pas quoi en plus? En vrai, je découvre plein de trucs en ce moment.
Tout à l'heure, j'ai découvert genre un truc, ça s'appelle la douche. Et en vrai, c'est pas mal, mais genre l'eau chaude, elle met beaucoup de temps à charger quand même. Mais je crois qu'il faut vraiment qu'on essaye d'être un peu moins des gamers, quoi, et qu'on sorte un peu plus dans la vie réelle, parce que des fois, c'est chaud un peu. La douche, genre c'est un truc, et après t'as de l'eau qui te tombe dessus. C'est genre un peu comme une cascade, mais à l'intérieur. Non, les gens dans le chat ont pas l'air de connaître, mais tranquille. Ça a l'air dangereux. Ouais, non, non. Ah, clairement. Bon, la map, les gens se galèrent un peu, mais je trouve que la difficulté est assez correcte quand même. Je trouve que la difficulté est pas trop vénère, mais c'est vrai que cette phase-là... En tout cas, si je peux vous donner un conseil, c'est d'essayer de sauter sur la plateforme dans le sens de l'aiguille. Comme ça, vous allez avoir moins le timing. Voilà, vous sautez vers le fond. Putain, c'est dur à expliquer. Mais je sais pas si ça aidera en plus. Mais moi, c'est comme ça que j'ai un peu résolu le truc, parce que ça me saoulait. Genre, voilà. Ah, ouais. Bon, après, avec le spec mode, c'est pas hyper précis non plus, mais... Voilà, comme ça. Ok. Là, faut pas se faire avoir par le marteau après. Aïe 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 aïe, le bourbier. Non. Putain, c'est très stylé les petites parties arrondies là. Les plateformes un peu arrondies, je sais pas comment expliquer. Vous voyez là, genre ça là. En fait, ça doit être utilisé. Je pense que c'est des poutres qui sont utilisées pour donner ce côté arrondi. Et je trouve que c'est vraiment stylé, ça rend vraiment bien. J'aime vraiment beaucoup ça. En fait, je trouve en termes de design, la map est complètement ouf. Allez, courage, vous allez y arriver. Bon, Max V, clairement, de toute façon, il a terminé. Et juste après, les amis, on fera une map Donkey Kong. Ça manque un peu de décor. Ah non, moi, je trouve que c'est très, très correct, en vrai. Je trouve ça très correct. Et oui, les amis, après, map Donkey Kong. Temple de Donkey Kong. C'est pour ça que je fais plus de maps aussi. On se sent ridicule maintenant avec le niveau actuel des mappeurs. J'avoue que c'est un peu le côté... Je suis assez d'accord avec toi, Azrael. C'est un peu le côté pervers du truc. C'est que du coup, il y a tellement des maps absolument incroyables que c'est un peu décourageant de créer ses propres maps, en vrai. C'est vrai que ça crée un peu ce... Un sentiment de comparaison... Pas de jalousie, mais vraiment juste de se dire vas-y. Et après, c'est aussi peut-être une question de temps que t'as à mettre là-dedans, tu vois. C'est que tu te dis en fait, moi je pense être capable de faire une map comme ça, mais sauf que je suis beaucoup trop lent pour comprendre qu'est-ce qui va être joli, qu'est-ce qui va être bien au niveau du level design, etc. Et du coup, en soi, faire une map comme ça, ça me prendrait un mois, quoi, je pense. Après, il suffit de se comparer aux maps officielles pour se rassurer. C'est pas faux. Ok, vous allez pouvoir rejoindre à partir de maintenant. Tac, je vais laisser un tout petit peu plus de temps que d'habitude. Pour que les gens puissent rejoindre, puisque là, on était bloqué à 20. Mais voilà, vous avez quelques instants pour rejoindre maintenant. Et donc, on va faire une map Donkey Kong dans quelques petits instants. Allez, on va y aller, et puis si vous voulez rejoindre, vous rejoindrez à la prochaine. C'est parti. Une map Donkey Kong, je suis très curieux. Qu'est-ce que ça va être? Attendez, je regarde déjà pour trouver des maps pour après, en attendant. Ouais, map sur du fromage, je sais pas trop. En vrai, oui, pourquoi pas. Map sur du fromage, après,
On peut partir sur une petite map fromage après. Ça me dit rien, top 2, la personne dont tu parles. Et hésite pas à la rigueur, top 2, à nous balancer sa map de lui que tu préfères. Tu nous la balances dans le chat, la map de lui que tu préfères, et puis on voit un peu en fonction. Putain, c'est trop stylé, regardez-moi ça! Putain. Oh là là. Oula, il y a des trous là. Merde, j'aurais dû aller de l'autre côté. Ok. Incroyable. Une première dans l'histoire de la 5ème République. Merci Xamou pour ton 31ème mois, merci beaucoup. Le canon, ça sent le bait, non? Ouais, j'ai pas réussi. J'ai envie de le retenter une fois, mais je pense qu'on peut rapidement perdre trop de temps là. Ah, il faut aller là. Ok, ça marche mieux. Incroyable! Ok. J'ai fait de la merde là. Hein. Ok, très stylé. La fin un poil plus vide, oui, mais le reste vraiment sympa. Vraiment très... J'aime beaucoup le concept en vrai. Trop 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 bien. Bah hésite pas top 2 si tu veux nous balancer une map de la personne dont tu parles que tu trouves vraiment chouette. Ouais, la fin un petit peu en dessous, je suis d'accord, mais le reste c'est vraiment cool. On a vraiment tous rebondi sur le gros trampoline alors que ça sert à rien. Réel. Réel. Effectivement. Tac, alors on fait déjà celle-ci. Arcade Surf. Je vous remets le code quelques instants. Et après, une map sur la thématique du fromage. Elle est pas toute récente la map. Ok, ça marche, pas de soucis en vrai. C'est pas parce qu'une map est plus ancienne qu'elle est forcément moins bien. Ton fromage préféré? Moi je viens de Haute-Savoie, j'aime beaucoup le reblochon. Le reblochon c'est pas mal. Est-ce que c'est vraiment mon fromage préféré? En vrai, je pense que oui. Je pense que le reblochon quand même c'est solide. Il est déjà passé sur le stream. Attends, je lirai après ton message. Waouh! Waouh! Mais c'est F0 ou quoi? Oh non! Ah. Ok. Elle est ouf la map. Ah, par contre si on se viande, il y a moyen que ce soit FF. Relève-toi, ok. Ouais, il a écrit finish carrément. Ah, j'ai un peu hint, mais en même temps, si je la terminais direct, je pouvais plus y jouer. Donc... Un peu un mal pour un bien cette affaire. Mais aucun checkpoint sur cette map. Mais elle est vraiment ultra stylée.
Waouh. J'avoue qu'un petit checkpoint aurait peut-être pas été de trop, mais c'est vraiment tout ce qu'on peut reprocher à cette map. Hein. Ah, elle est vraiment vraiment bien, c'est ouf en vrai. Elle est trop stylée. Dis-toi que là, elle est cassée. Pourquoi elle est cassée, cette map top 2? C'est quoi qui aurait dû être différent normalement? Oui, ça manque un peu de checkpoint, mais la map est super cool. Et oui, du coup, attendez, Miral Ball me disait un truc. Avant, elle était encore plus fluide, c'est juste qu'ils ont changé la hitbox des ventilos. Ah, d'accord, ok. Ok, avant c'était... Ok, je comprends. Il est déjà passé sur le stream, il avait proposé une map classique Fall Guys avec des plaques tournantes et la statue de Hariko au milieu. Tu te rappelles pas? Non, je suis désolé. En vrai, j'ai fait tellement de streams où je faisais des maps des gens. Que j'ai très... Et en plus j'ai une très mauvaise mémoire, donc non, ça me dit rien du tout. Mais ouais, dommage que la mise à jour ait un peu cassé le concept de la map, mais elle reste vraiment chouette. Je trouve vraiment qu'elle reste très très bien malgré tout. Ils sont pénibles à changer la physique de plein d'objets tous les 4 matins. Non, j'avoue que c'est pas correct de faire ça quand même. C'est quand même un gros manque de respect en vrai. Il est bien que 50 ans après, en France, on s'en souvienne encore. Merci Goulouk pour le 26e mois, merci beaucoup. Merci. Ils étaient jaloux de Nadeo sûrement, bah ouais, sûrement. Non ! Elgadina ! Ce qui est dommage, c'est qu'ils gardent pas la map dans la version dans laquelle elle a été créée. Si ma mémoire est bonne, Mario Maker 2 le faisait. Mario Maker 2, ça a été les seuls, je pense, à ajouter des mécaniques et des objets sans jamais toucher à la physique du jeu. Il y a eu un truc qui a peut-être un tout petit peu modifié la physique, mais il me semble que si tu modifiais pas ton niveau, si tu remodifiais pas ton niveau, il le gardait intact. Parce que moi j'avais créé un niveau automatique avec la version de base du jeu. Et si je le modifiais, ça niquait mon truc automatique, mais si je le modifiais pas, ça restait identique, je crois. En fait, en plus, c'était même plus une correction de bug ou un truc du genre, donc... Mais ouais. Il y a une mise à jour Mario Maker 2 aujourd'hui? Sérieusement? Ah bon? Et t'as pu voir ce qu'elle servait à quoi, la mise à jour? Juste un truc de sécurité, ok. Juste un truc de sécurité. D'accord. Enfin, j'ai cru à une dinguerie. Mario Wonder dans Mario Maker 2. T'imagines? Allez, démoniaques, tu peux y arriver! T'as encore le temps, démoniaques! T'as plus le temps, démoniaques! Il faut se dépêcher là, quand même, démoniaques. Ok, on saute à droite. Ah non, il a trébuché. Il a trébuché juste avant la fin! Juste avant la ligne d'arrivée! Oh non! Bon allez, cette fois la map des fromages, hein. Cette fois on tente la map des fromages. Ça se trouve ça va être claqué, hein. On va voir. Ah, c'est 20 joueurs. Ah bah attendez, vite, pendant qu'on est 20, je change. Ah. Mais pourquoi j'ai mal copié-collé? Ne rejoignez pas, s'il vous plaît.
Ok. Vous rejoindrez pour la prochaine qui sera sûrement à plus de 20 joueurs. Avec le code qui s'affiche en haut de votre écran. Mais là, on est 20. On a besoin d'être 20. Et pendant ce temps, je vous cherche encore des maps. Ne dit-on pas un Clacos en même temps? Très bien vu. Très bien vu. Ouais, c'est compliqué. Pour moi, c'est pas une map à 20, ça. Il y a des chaînes sur le fromage? Ouais, elle a l'air super dure, la map. La map a l'air infâme. Hein. Quelqu'un qui a réussi à aller là où je voulais aller apparemment. Bravo pour ça. Ouais bon... C'est pas une map 20 joueurs ça, je suis désolé. C'est pas une map 20 joueurs et en plus c'est une map d'énormes tryharders. Donc bon... Non, j'arrive pas à le faire ce saut là. Peut-être en partant de là, mais. Ah, j'y étais là. Bon. Je sens qu'on va rester là bloqué un moment, les amis. Là, tout le monde cherche à passer par là en plus. Elle pue cette map comme le fromage. Tout à fait, bien vu ça, Emmeline. Je sais pas s'il est censé avoir une trage un peu plus évidente. Content de ne pas avoir rejoint. Bah, tu m'étonnes. Ok. Est-ce que ça sert à quelque chose d'être là? C'est ça la vraie question en vrai. Ok. Bon, ce passage était scandaleux. Oh là là, j'avais tellement pas envie de tomber juste avant... Juste avant la fin. Ah, juste avant le checkpoint, pardon. C'est pas du tout la fin, a priori. Ah merde, il fallait prendre le chouchou. Oh, c'est quoi ça? Je comprends même pas comment t'es censé passer. Ah oui, si, d'accord. Attends, tu reprends de là? C'est une blague! Ouais, la map est super dure. Bon, c'est une map de tryharder, celle-là, hein, clairement.
Oh, chef! Non! Bon, de toute façon, c'est perdu maintenant. Elle était encore longue, la map? J'imagine. Ah, c'était horrible. C'était horrible. C'était pas la meilleure, hein. Ah, je sais pas pourquoi ça sentait le bourbier, cette map fromage. J'aurais dû me douter. Tout le monde est mort. Qu'est-ce que j'ai d'autre que j'ai envie de tester? Là, j'en vois qui m'intéressent beaucoup moins. Ça devait être des maps qui datent d'avant la mise à jour, en fait. Ah, celle-ci, attendez. Ah, celle-ci, elle peut être intéressante. On va voir ce qu'elle donne. Je vous remets le code si vous voulez join. C'est une map à faire solo, là tout le monde se gênait. Bah ouais, je comprends pas pourquoi il a mis 20 joueurs. Ah, je mets la tienne après, top 2, je mets la tienne après. T'as fait la map avec les Magikarp? Ouais, c'est la première qu'on a faite. Enfin, ça dépend, si tu parles de la... Oui, si tu parles de la map qui est sortie. Qu'ils ont publié aujourd'hui, là, la map qui s'appelle Route 20, on l'a fait aujourd'hui. Oh, elle est belle celle-là. Hein. Merde. C'était un trampoline. Elle est très jolie cette map. Trop stylé. Oh là là. Je kiffe. J'aime beaucoup ce que je vois là. Oh merde. Ok. Ah merde! Ah ça, je pensais que c'était des... Ok. Ok. Non! Oh non, juste avant le CP. Terrible. Ça fait deux fois que je me fais avoir comme ça. Ok. En vrai, je pense après, il peut y avoir la tech de prendre le boost deux fois. Qui pourrait jouer. Ok, c'est bon. Ah, dommage, on s'est gêné là. Bon, c'est un peu aléatoire les blocs comme ça, mais en vrai, pourquoi pas. Je comprends pas comment ils sont foutus en fait. Trop bizarre.
Ah, il me gêne. Mais non, il m'a gêné. J'en ai de plus en plus nombreux. Ok. Wow. Ok. Ok. Très sympa visuellement la map, j'aime bien. Et la difficulté est correcte, ouais. Non, très chouette. Quel enfer avec le skin orange, j'avoue que oui, ça facilite pas les choses hein, quand même. Ok. Aïe. Ouais, la map est peut-être un poil dure, je me rends pas compte. Je me rends pas compte. Bon, pour l'instant, je cherche des maps, mais on a celle de top 2 ensuite. Ouais, après, c'est des moins intéressantes parce qu'il n'y avait pas eu la mise à jour encore. Quoique, si, ouais, la mise à jour date du 26, je sais plus. La map est pas facile, mais elle demande finalement peu d'input parfait. Elle offre beaucoup de moyens de rattraper une erreur, c'est vrai. C'est toujours intéressant de jouer avec ta commu, car ils sont plus casus que les tryhard Fall Guys. Et donc on se rend vraiment compte de la difficulté d'une map. Après, ma commu est déjà plutôt des bons joueurs par rapport à l'intégralité des joueurs sur Fall Guys, hein, top 2. Mais oui, effectivement, pas autant que les énormes tryharders qui font que ça de leur vie. Mais on reste quand même sur une commu plutôt vénère sur le jeu, mine de rien. Bravo, Batman. C'est pas le chat de Gakko, mais on fait ce qu'on peut, oui.
Bon, par contre, les 10 minutes pour une map comme ça, c'est peut-être beaucoup. Mais bon, en même temps, ça permet aux gens qui galèrent d'essayer de terminer la map, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mine de rien, il y a des gens qui continuent à terminer au fur et à mesure, donc c'est... Mine de rien. En fait, moi, ouais, il y a juste cette phase-là de la map, elle me gêne un petit peu, en vrai. Cette phase-là, je la trouve un peu gênante parce que elle est un peu aléatoire, je trouve. Les sauts ici, ils sont pas très précis, si tu pars un peu dans n'importe quel sens, donc... Je trouve qu'elle est un peu frustrante et pas hyper fun, en vrai. Mais le reste est vraiment chouette. L'espacement est pas tip-top, ouais. Ah, puis c'est vrai qu'après, là, il y a encore une phase en plus. Donc si tu te viandes maintenant, tu recommences le truc avec les rebonds. Ouais, puis il y a la toute fin aussi où faut aller dans le... Oh, merde. Où faut aller dans la... Dans le petit... Dans la petite case. Ce qui est pas forcément facile non plus. Bravo, Marion. Ok. Revoici le code quelques instants si vous voulez rejoindre. Je vous laisse quelques petits instants. Ce sera une map sur la thématique des égouts. Très bien. Allez, c'est parti. Ce sera peut-être l'avant-last. Peut-être après, soit je ferai une petite game solo, soit je partirai sur un petit TM pour terminer, on verra. Ou alors peut-être j'arrêterai, en vrai. On verra ce qu'on fait. Easy medium, 4 minutes, 60% de qualifié, très bien. Ok. Aïe aïe aïe, je me suis juste tapé avec les autres joueurs et ça m'a fait tomber, c'est pas de chance. Oh non, j'ai trop le seum. Je pense que je vais pas être qualifié. A chaque fois, il m'arrive des dingueries sur tes maps top 2 quand même. Hein. On va jouer safe ici. Mais très très stylé en tout cas, hein, bravo. Très stylé. Waouh, 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 waouh. Je crois pas du tout sur quoi je suis. T'as mis des tapis rouges. Qu'est-ce qu'il y a en fait qui fait ça? Ah oui, c'est ça. D'accord. Waouh, je sais pas comment t'as fait, mais bravo. Je sais pas comment t'as fait à la fin là, mais stylé. Très très bonne map. Alors, on a une petite map sur la thématique des champignons, maintenant.
Et je pense que ce sera la last. Hop. Hop. Ouais, des petits ventilos, mais j'ai pas compris où ils étaient, top 2. Ça qui est très fort, je trouve. Toujours pas fait la map 25 sur Trackmania. Non, c'est pour ça, je ferais peut-être ça. Ok, donc une map champignon. Merci d'avoir pris le temps de jouer à plusieurs de mes maps. Avec plaisir. Avec plaisir. C'est parti. Ok. Ah, oh, on aime cette déco. Ok. J'ai un peu troll. Ok, bah elle était très très chouette cette petite map, elle est très belle. Elle est très très belle. Elle est pas compliquée, elle est vraiment bien, elle est vraiment vraiment bien. Ok. Ah oui, il y a un petit champion en plus ici. Ok. Très bien. Et ben voilà. J'ai bien aimé parce que c'est une des seules que j'ai su finir. Bah, félicitations. Bah, c'était très très chouette en vrai. Plein de bonnes maps. Bon, est-ce que je fais un petit solo ? En vrai, je peux faire un petit solo avant de passer sur Trackmania. Je pense que ça va être ça, le programme. En tout cas, il y avait vraiment des belles maps, hein. Avant la douleur, ouais. Je sais pas si je suis vraiment prêt à partir sur une map Trackmania après, mais bon. Mais attends, on commence direct sur cette map là ? Ils ont changé le solo du jeu ou quoi ? Comment ça se fait qu'on commence direct là-dessus ? Bonne soirée Marciou, merci d'être venu. Pourquoi on commence sur cette épreuve ? C'est trop bizarre, non ?
Oh là là, chef. Je pourrais rien faire. Vas-y, on s'en refait une petite quand même, parce que mon RT1, bon... Ils ont changé le solo hier, maintenant c'est 32 joueurs et les maps survie arrivent première manche. Ok. Ok, ok. Et c'est pour ça que ça t'est indiqué comme rapide du coup. N'hésite pas, Phoenix, avec plaisir. C'est marrant qu'ils aient pas laissé le solo originel quand même, ils auraient pu faire un autre truc. Putain, le matchmaking qui bug encore, hein, c'est bon. Ça prend juste bien son temps, a priori. Ok, turn around. Là, je sais pas pourquoi ils l'ont passé de 40 à 32. C'est vraiment pour le nombre de joueurs en ligne, vous pensez? Ça m'étonne en vrai, parce que je pense que c'est le plus joué... Putain, mais j'ai de choc là-dessus, bah c'est perdu. Ça m'étonne un peu parce que je pense que c'est le mode le plus joué en vrai. Le mode solo, donc je pense pas que ce soit ça, si? Vous pensez vraiment que c'est ça? Je pense que je suis pas qualifié, hein. Un peu sale. Mais je suis qualifié. Ouais, je pense pas que ce soit pour une question de nombre de joueurs, hein. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Quoique peut-être vu que le solo c'est avec de l'élo en fait. Il y a moyen, vu que le solo c'est avec de l'élo, c'est peut-être la différence qu'il y a avec quand tu lances groupe ou quand tu lances duo. J'avais pas pensé à ça. Oh la prude, mais sans déconner, j'ai pas de chance quand même. J'ai hâte d'être dans un lobby vénère, hein, parce que y a que deux éliminés à ce stade. C'est bon. Ah non, c'est pas bon. Voilà. Le lobby a l'air ultra vénère.
Peut-être pour une raison d'équilibrage de ce que tu gagnes en termes de couronne, en vrai. Ça pourrait être ça. Yes. Putain, il est dessus littéralement, genre. Je comprends pas où est le bouton d'après. Ouais, d'accord. What? Non mais je suis... j'ai du mal à voir des fois. Hein. Pas passé loin. Je savais même pas qu'il y avait des 1v1, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu. Effectivement, il y en a de temps en temps, ouais. Du coup, là, ça va être la finale. Ouais, sur ça, cool. Ok. Pas ma préférée. Ok. J'essaye d'observer un peu le pattern. Oh. Il veut me pousser lui. Faire gaffe à cet endroit là. Il y a moins que ce soit cet endroit là qui me tue. Non mais lâche-moi toi un peu. Il focus tout le monde, j'ai l'impression. Hein.
Trop hésitant, c'est dommage. Ouais, c'était peut-être lui le plus dangereux, le mec avec la couronne. Ah, il y avait peut-être moyen, mais ouais, franchement, des compétiteurs hyper chauds. Des compétiteurs vénères. Il faut le dire. Bon, allez. On va passer sur Trackmania, sur la dernière map horrible. Hop. Merde. Tac. Bravo pour l'élimination du cochon tout de même. Ouais, j'avoue, pas mal. Je vais lancer Trackmania. Bonne soirée celles et ceux qui s'arrêtent là pour ce soir. Celles et ceux qui ne veulent pas tomber dans le bourbier. Le bourbier de Trackmania. Je comprends. Si ça se trouve, cette map, tu vas la réussir tellement vite que tu vas en faire une deuxième. Alors. Alors. La 24, j'ai mis 2h30. 2h30, 3h pour la terminer. Et on m'a dit la 25 est beaucoup plus dure que la 24. Donc je suis pas tranquille de fou pour l'instant. Je vais pas mentir. Je suis pas tranquille. On va voir, on va voir. Par contre, s'il y a encore de la neige, c'est une dinguerie. Ok. C'est l'occasion de souffler des bougies, c'est aussi l'occasion de s'amuser. Merci le coq pour ton sixième mois. Bon courage, merci beaucoup. Voilà. Si j'avais su... Super longue. Elle est méga longue, c'est une dinguerie. Faut aller faire quoi là? Ça? Ok. Tu dois juste la finir ou faire un certain temps dessus? Faut que je fasse la médaille d'or. Mais là, j'ai même pas la médaille d'argent pour l'instant. Faut que je fasse la médaille d'or. Donc, je sais pas combien de temps c'est. Bah, Nerivra, on va déjà essayer de faire la médaille d'or sur celle-là. Après, on verra si j'en fais une autre. C'est peu probable, mais on verra. On va quand il me prend de la vitesse à cet endroit là. Comment il me prend de la vitesse là?
Il y a une trash parfaite, c'est là-dessus? Bah, je suis pas convaincu que ce soit juste ça. Non, je suis un bouffe. Tellement sensible, l'autre véhicule. Elle a l'air dure, hein. Il y a 2-3 trucs où on va se galérer un peu, je pense. Il s'agit de retourner dans le passé pour peser sur le futur, suis-je clair? Merci Rambo Fromage pour le 15e mois, merci pour ton Prime. Il me manque plus de 7, 8 secondes là quasiment. Mais en fait la médaille d'or est super dure. Il me manque 8 secondes, c'est trop. Bonne soirée Max V, merci beaucoup d'être venu.
Ça va être compliqué cette affaire, hein. Putain, les angles ils sont tellement précis. La vache, le bourbier. Je comprends pourquoi j'ai autant de retard. Elle est très galère celle-là, oui. Elle est horrible. Ouais, c'est la médaille d'or qui a l'air très bourbier, effectivement. Parce qu'en soi, la médaille d'argent était très facile, hein. Nous a vraiment pas fallu longtemps. J'ai des doutes sur cette map, les amis. J'ai des doutes sur ma capacité à avoir la médaille d'or, vraiment. Quand je vois le retard qu'on a... Bonne nuit, chériot. Il y a beaucoup de snowballs sur la map, ah ouais. Ok, c'est bon à savoir, mais bon. Des fois, j'ai l'impression que je fais vraiment aucune erreur et je suis quand même derrière, donc c'est assez intriguant. Ce passage est horrible, hein, vraiment. Il est dégueulasse. Il se fait full speed ou pas? Ouais. On est dans la merde, hein. Je suis dans le regret de fou là.
Ce passage là m'en rend ouf. À moins qu'il y ait un skip de fou à faire. C'est très très dur, je trouve. Jamais la bonne trage à cet endroit-là. Le milieu avec le turn en snow et la toute fin est vachement dur à haute vitesse, ouais. Carrément. Bon là j'ai dû faire une connerie pour être aussi lent. Wow, c'est horriblement difficile. Bah F ce freinage là qui nous casse tout. Mais je comprends pas, c'est quoi la méta là? Il faut passer où pour que ce soit intéressant? C'est quoi la méta de du dernier passage là où il y a de la terre? Vous pouvez le dire dans le chat en vrai, la strat. Faut vraiment faire droite-gauche. Enfin, ouais, droite-gauche. Il faut passer à gauche pour pas être ralenti par le sable, mais c'est chaud. Mais j'ai l'impression que c'est quasi impossible. On est sûr que c'est possible ça?
faut arriver au centre et faire un droit de gauche en étant le plus droit possible, mais oui, c'est chaud, ok. Putain, la vache, la difficulté de cette map. Enfin, la difficulté de la médaille d'or, surtout. C'est non seulement griller Nicolas Sarkozy. Merci Fabien pour ton 32e mois, merci beaucoup. Détermination. Là, faut juste prendre arrondi pour pas perdre de speed. Et là, faut aller le plus droit possible. Genre être au milieu et le plus droit possible et faire droite, gauche. Ok. Bon. Il y a vraiment des points clés où faut pas perdre de vitesse. Ok, mais je sais pas lesquels. Mais tu peux le dire en vrai si tu veux, Happy Bellette. Moi, il y a celui-là, là, déjà, ça, c'est sûr. Bref. Il y a celui-là aussi. Ouais, j'ai perdu de la vitesse. Et puis, bah, il y a celui-là, quoi. Principalement le virage à 40-42, ouais, celui où t'as tapé le mur. Et c'est quoi la strat pour pas perdre de vitesse à cet endroit-là? Faut juste prendre le virage bien... bien extérieur et pas trop tourner le volant? C'est ça la strat? Pour pas perdre de vitesse à cet endroit-là? Ouais, ok. Oh putain, j'oublie tout le temps cette transfo là. J'oublie tout le temps cette transfo alors que bon, on était sur une run pas trop dégueu. Ce virage-là, il est... le timing est horrible. Elle a l'air fun, la voiturette à manier, c'est une illusion. Ben... elle est très... comment dire... je sais plus comment on dit, mais... non, ça va, en soi, c'est bien, non, ça va. Ah oui, je l'ai pas d'accord.
sais pas si j'ai le boost. Passage, je le déteste. Pour pas perdre trop de speed avec la snowcar, perso, je fais les virages par à-coup parce que je sais pas maintenir le joystick à moins de 100%. J'avoue que ça peut être une strat en vrai, t'as raison. Ce virage là, je le déteste. Bon. Salut Monsieur Sauvage. Ouais, non, passer de la manette à la au clavier juste pour la bagnole Snow, c'est un peu léger, effectivement. Ça vaut peut-être pas le coup. Trop ralenti là. Ce passage là me casse les couilles, mais vraiment vénère. Je sais pas s'il faut pas ralentir en vrai. Pour avoir une chance. Putain de passage de merde! Comment je suis censé faire? Faut déraper? On est censé faire quoi en fait dans ce virage exactement? Expliquez-moi. Faut déraper? On dérape pas avec cette bagnole.
Voilà ça. Si vous avez des conseils pour ce virage, je suis preneur parce que là... Quand tu vas trop vite, c'est presque impossible de faire un bon virage, c'est de freiner avant de déraper. Ok. Ah et voilà, c'est ça qu'il nous faut. Ok. Il y a beaucoup de choses à savoir sur cette map, hein. Très très chaud. Je me souviens plus trop de la map, mais je crois que si t'arrives en longeant le mur de droite, tu peux faire un tout petit droite puis gauche à l'intérieur du virage. Mais plus très sûr en vrai. Bah moi j'ai l'impression que la bagnole, les deux roues intérieures lâchent si on fait ça.
La distance qu'il me met est inquiétante, hein, vraiment. Salut Asumea. Ouais, Trackmania, c'est pas tout jeune, hein, même s'il y a eu plusieurs versions. Mais effectivement, hein, ça date pour certaines personnes. Bon, pour celles et ceux qui y débarquent, du coup, on est sur une map super difficile. La dernière de la campagne hiver 2024. Avec plein de passages très complexes. Il y en a notamment un dans un petit instant. Voilà, celui qui arrive là, ici. Ah, vous voyez là, par exemple, j'ai touché le mur. Je jouais Wanadu existait encore. Ah ouais, ça fait mal ça, Wanadu existait encore. Ah, Wanadu. Il y a des gens dans le chat qui sont français et qui n'ont jamais entendu parler de Wanadu. Qui ne savent pas ce que c'est Wanadu. Si oui, allez vous coucher, il y a école demain. Putain! Quel dommage. Bon, de toute façon, je choque le deuxième truc après. Il n'y avait pas beaucoup d'erreurs, ouais. Erreur ce que j'ai fait. Faut juste que j'essaie de voir s'il y a un truc plus opti. Trop bien cette map et je dis pas ça parce que c'est un bourbier. Tu dis évidemment ça parce que c'est un bourbier, Coplico. Essaye pas de nous la faire. Ah, j'ai raté le boost là. Ouais, je pense.
faut le tenter plutôt, le truc qui tourne. Le virage, il y a peut-être moyen de le sortir plus tôt et de perdre beaucoup moins de speed. C'est juste compliqué quand t'es à peine en train d'atterrir, de te dire « Ouais, je vais claquer le virage maintenant. » C'est pas intuitif, mais je pense que c'est peut-être la tech. Ouais, bon là, j'ai vraiment été trop gourmand, mais c'est la tech en vrai. Je pense que c'est la tech. Dégoûté. Je suis dégoûté de fou. J'ai du mal à piger comment il te met cette avance à cet endroit. De quel endroit tu parles, Mimimuse? Mimiose, pas. Ouais, si, Mimimuse. Salut, Renai, ça va et toi? À la transfo en pick-up. La deuxième? Parce que là, ça va encore. Il me met une micro-avance, effectivement, mais en réalité, c'est pas très important. T'as réussi à faire quel temps sur la map RPG au final? Un poil moins de 8 minutes. J'ai pas persévéré. Mais tu parles de laquelle, de transfo en pick-up Mimimuse, parce qu'il y en a deux ou trois. À la rigueur, si vous voulez m'indiquer des moments dans la map, c'est un truc tout bête et voilà, faut y penser. N'hésitez pas à me dire à quel temps à peu près. Comme ça, je comprendrai mieux. Mais je pense que tu parles de la deuxième transfo, celle après le gros virage en voiture classique là.
Là, ici. Ah non, la première. Ok, ok. Le PB a chié. Il nous manque quoi, 3 secondes? Oh là 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 là, 3 secondes, mais c'est tellement énorme. Mais bon. Je comprends où sont mes axes d'optimisation, mais c'est tellement dur. Mais en tout cas, c'est pas à ce passage où il nous met un peu d'avance qu'on va pouvoir optimiser. Ça, c'est sûr. Alors, c'est pas ici. Pas ici non plus. Là, ici, il y a toujours à gratter. Hein. Sa run, elle est vraiment broken. Je vois pas trop ce que je vais pouvoir faire de mieux en vrai. Sa run, elle est vraiment broken. Ça va être très compliqué, les amis.
J'étais pas loin, mais j'y étais pas. Hein. C'est vraiment sur la chicane gauche-droite à la fin qu'il garde trop de speed. Oui, ça joue beaucoup, c'est sûr. Le snowball principal est là, mais j'ai l'impression que même quand je fais un truc vraiment pas dégueu, il me fume quand même, quoi. Ouais, médaille d'or, Europal. C'est une run médaille d'or en soi. Il y a plein de gens qui ont dû faire exactement le temps de la médaille d'or. Mais le fantôme qui a été choisi par le jeu, c'est celui-ci. Oh putain! Je suis dégoûté. C'était pas dégueu. Oui, c'est un excellent. Merci choix. Weasley! C'était nécessaire parce que la communauté se doit de retrouver une certaine forme de sérénité. Merci infiniment, Weasley. J'ai pas eu le temps de regarder, mais je crois que cette alerte-là, c'est 5 subs offerts. Merci beaucoup! J'espère d'ailleurs que j'écorche pas ton pseudo, qu'on dit bien Weasley. Wesley? Je sais pas. Mais en tout cas, merci beaucoup, merci pour ta générosité. Wesley. Ok, Wesley. Wesley. Genre, je suis désolé, je risque d'oublier, hein, j'ai une mémoire catastrophique, mais peut-être que je vais tenir un peu pour ce soir. Wesley, ok. Bah merci infiniment Wesley, c'est très gentil. La médaille hauteur est à 1,01,996 après si t'es chaud. On va éviter. Hein. On va éviter. Elle est vraiment abusée en vrai. Elle est vraiment abusée, mon dieu. Méga deg. Méga deg. Ah, je suis vraiment méga deg en vrai de ce qui vient de se passer. La run était incroyable. Il faut stab après le saut ou pas, vous pensez, pour essayer de gagner de la speed? Enfin, pour ne pas en perdre plutôt. Vous voyez le moment où...
À le moment où il y a l'énorme saut avec le gros boost rouge. Est-ce que à la fin de ce saut, faut stab la bagnole ou pas? Vous pouvez répondre dans le chat, c'est une question que je vous pose réellement. Ça doit pas changer grand chose. En fait, je pense que l'idée, c'est si t'arrives à la bonne speed, bah c'est que c'est bon. Enfin, comment expliquer? Il faut pas, parce que sinon ça veut dire que t'es pas à la bonne speed et que de toute façon c'est perdu quoi. Je pense que ça a été un raisonnement un peu comme ça. Il fallait vraiment que je bonque là. C'est pas de la glace hein, l'endroit où il y a le long virage, c'est du sol normal. Tout ça là, c'est pas de la glace hein, si jamais. C'est du sol classique. Y a pas de glace sur cette map, heureusement, putain. Voilà, et donc ici, là, c'est du sol normal, pas de glace. Ça sert à rien de refaire 10 000 fois, j'ai le timing parce que j'arrive toujours dans la même situation, mais quand je vais arriver dans une situation un poil différente, ça va être l'angoisse. Qu'est-ce qu'il faut prendre de l'intérieur? Quel virage faut prendre de l'intérieur?
Ah, le tout dernier, oui. Ouais, ouais. Il est horrible. Bon, je pense que j'aurais pas PB malgré tout, hein. C'est ça qui est hyper inquiétant, en fait. C'est que je pense que même quand je vais réussir à sortir une run que je kiffe de fou, eh ben, ce sera pas PB. C'est très inquiétant. Ouais, ce sera pas PB, pardon, ce sera pas médaille d'or. Ce sera PB, mais ce sera pas médaille d'or. Ce rebond de merde que ça m'a fait, frère. En fait, là, ça fait un vieux rebond. C'est le passage d'un sol à un autre, peut-être. Ouais. Ok. Ouais, j'ai du mal à comprendre le fonctionnement de ce passage encore aussi. En vrai, tu l'as vraiment mieux la map. Maintenant, ça va finir par passer, mais il faut grind. Ok, ouais, ouais. Je me doute. En fait, ce que je trouve très très dur, c'est vraiment qu'il faut réussir. Genre faire une belle réussite sur plein de moves très compliqués. Je vais pas dire hasardeux, parce que des gens vont me répondre que bah c'est pas hasardeux, mais... Sachant que je suis nul en termes de réflexe, en termes de précision... C'est presque du hasard pour moi, certains passages, et faut en réussir plein à la suite. Et ça qui rend les choses difficiles, je trouve. Ouais, c'est du hasard, mais sur lequel le skill a une importance. C'est un peu ça, ouais. Donc pas trop du hasard, finalement. Mais ouais, la marge... En fait, c'est ça, c'est que la marge d'erreur de ce gold est hyper faible par rapport à la plupart des maps de cette campagne. Et des campagnes officielles en général, même, d'ailleurs. Imagine l'auteur, c'est la seule que j'arrive pas à choper dans cette campagne. Mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais c'est mission impossible, ça. En fait, on dirait trop, c'est une map, elle a été créée il y a méga longtemps pour tester la feature. Et t'as un mec de Nadeo qui s'est vraiment buté dessus jusqu'à la sortie de la feature, puis la sortie de la campagne hiver 2024. Mais je pense pas, je pense que c'est une map...
que Nadeo ils ont commandé ou acheté en vrai. En soi elle est bien, c'est juste la médaille d'or frère. Elle est vraiment dure. Ouais, un simple bonk aurait peut-être pu aller, un double bonk ça nous fume je pense. On peut quand même le faire pour le beau jeu mais ça suffira pas quoi qu'il arrive. Sinon je vais rater ça là. Ouais ça va, y'a pire. T'as un PB. C'est un PB de une seconde presque. Cette campagne était plutôt facile globalement. Ils ont mis toute la difficulté dans la dernière map. Ouais, bah ouais. J'ai passé 6 heures pour l'auteur. Top 6 Isère direct, lol. C'est dire le niveau de l'auteur. Ah ouais, t'es pas plus que top 6 Isère. T'es pas plus que top 6 Isère pour avoir, en ayant la médaille auteur dessus. Moi, j'aurais pensé que... Mais ça veut dire que le niveau de des grenoblois sur Trackmania est ultra vénère. L'avant-dernière était déjà très dure aussi, mais celle-là, je pense qu'elle est encore plus vénère. Mais oui, la glace, c'est plus un problème de compréhension de la strat, mais je pense que... En fait, ouais, ça split vraiment les joueurs en deux, à savoir ceux qui comprennent comment on joue la glace, qui connaissent vraiment toutes les subtilités, et ceux qui ne les connaissent pas. Je fais partie de la deuxième catégorie, évidemment. Trajet pas ouf. Putain, si j'avais bien géré ça en vrai, ça aurait pu faire une run de zinzin. Hélas, ce n'est pas le cas. Il nous manque toujours plus d'une seconde, mais bon, on s'améliore, hein, mais... Non mais en Isère, vous êtes chaud en vrai, hein. Que n'ai-je pris sur les épaules? Merci Demi-Homme pour le 44e mois, merci beaucoup. Ok, faut faire gaffe à pas trop... Je sais pas comment expliquer, mais l'atterrissage dans l'eau, là, il allait pas. Fallait mieux viser plus à droite pour moins incliner la bagnole.
Je sais pas comment on fait pour changer de région dans Trackmania, il me l'a demandé une fois au début, j'ai jamais retouché. Je pense qu'il y a moyen pour les gens qui déménagent de changer quand même. Je pense que c'est vraiment pas très contrôlé. Hein. J'ignore tout de cette affaire, je vous avoue. Tu peux mettre ce que tu veux, oui, ouais. C'est pas pourquoi tous les gens ultra chauds au jeu, ils se sont mis en Isère. C'est quoi le département le moins peuplé de France ? Je demande ça comme ça, hein, bien sûr. Hein. À titre purement informatif. La Lozère. En vrai, c'est peut-être plus facile d'être le boss du département en Lozère dans Trackmania, du coup. Bah moi, je m'y suis mis parce que j'y vis. Oui, bah oui. Non mais je rigolais. En vrai, je pense que l'Isère, c'est juste... Il doit y avoir un poil plus de compétiteurs. Je suis combien, là, sur la Haute-Savoie? Ah ouais, je suis trop... Non, mais si, en vrai, ça me choque pas. Je suis top 30. Non, ça me choque pas, en vrai. Les campagnes, elles sont quand même beaucoup jouées, hein. J'aime pas cette position. Ça, c'est de la merde. C'est dommage, hein, parce qu'on avait une vraie avance de bâtard. On avait une vraie avance de bâtard, je suis dégoûté. C'est pas très beau. T'es en train de tryhard la map. Bah j'essaye d'avoir la médaille d'or quoi, après oui c'est un peu du tryhard du coup vu comment c'est dur mais j'espère qu'on se sortira bientôt de ce bourbier, bien sûr. Sauter tout à gauche après le boost rouge permet de toucher le sol plus rapidement. Est-ce qu'on a intérêt à toucher le sol plus rapidement? Je me rends pas compte. Peut-être pour faire un poil moins de airtime mais... On a tellement besoin d'être calé de manière précise pour le double virage qui vient après.
Dommage. C'est la strat world record, après c'est peut-être pas le plus simple à faire, c'est vrai. Ouais, je pense que c'est contre-productif parce que faut gamble de faire un perfect juste après et ça rend la tâche beaucoup plus difficile, je pense. Ouais, je pense comme Solemn Bloom en vrai. Je pense qu'aller au milieu, c'est un peu une sorte de safe way. Même si tu vas perdre un tout petit peu de speed. Ça rajoute de la RNG, voilà, c'est pas de la vraie RNG, mais quasi, mais avec les réflexes que j'ai, ça en est, quoi. Il est de combien le world record sur la map ? Y'a quelqu'un qui a réussi à péter les 1 minute sur cette map ou pas? Je pense pas, si. La médaille hauteur, elle était pas légèrement plus d'une minute, on avait dit? Ah non, elle était à 59 et quelques, je me souviens plus. Je me souviens plus à combien était la médaille hauteur, j'ai oublié. Je croyais que c'était 1 minute 1. Ouais, 1-0-1, donc non, il y a des gens qui... qui ont la médaille hauteur, mais qui n'ont pas moins d'une minute. Mais par contre, le world record a réellement moins d'une minute. Ok. Mais avec les médailles World Record, il n'y a jamais des soucis de gens qui font des Tool Assisted Speedrun et qui les mettent comme si c'était des vrais joueurs, genre. Je vous remets le replay. C'était pas
pas là. En vrai, je comprends pourquoi on peut faire mieux. Je comprends pourquoi on peut faire mieux avec la run que j'ai fait et que j'ai réussi à avoir la médaille d'or. Parce qu'en fait... Je vais regarder. Là, mon virage était vraiment bien. Ouais, là, c'était pas mal, en vrai. Là, j'ai fait de la merde. J'ai perdu de la speed à cet endroit-là en faisant ce virage. J'ai vraiment perdu de la vitesse. Ici, j'ai plutôt bien géré. Ça va, ça m'a un peu sauvé. Et là, c'était pas parfait non plus. Mais c'était correct. Et j'ai reperdu de la vitesse ici, d'ailleurs, là. Là, voilà, là. Et par contre, après, je me suis bien aligné sur le saut parce qu'on avait fait l'erreur la dernière fois. De manière à ce que la bagnole, elle reparte rapidement en touchant le sol. Ouais. Ouais, bah voilà, Keru, c'est ce que j'étais en train de dire, grosso modo. Je l'ai mangé sur le finish. Ouais, c'est ça, c'est qu'à la fin, je me suis dit, il faut que je reste parfaitement aligné avec la trage de mon saut. De manière à ce que quand la bagnole, elle touche le sol, elle garde un max de speed. Et je me suis dit, je savais pas si la médaille d'or avait un léger décalage qui faisait que ça allait la faire ralentir un peu quand elle allait toucher l'eau. Mais je me suis dit, en vrai, il y a un monde où ça peut passer. Ok, cette map était intéressante en vrai. Cette map était assez chouette. Mais je trouve que... En fait, c'est bizarre. En fait... Ces maps là, je sais pas comment dire, mais des fois on a l'impression qu'on y passe un max de temps alors que finalement j'y ai pas passé tant de temps. Hein. J'ai pas passé tant de temps dessus, mais t'as ce sentiment de... Ah quand même, on a dû passer quoi, 1h30 dessus en vrai? Non, 1h20, un truc comme ça. Ok, on en a fini avec la campagne... On en a fini avec la campagne hiver 2024, les amis. Je vais pas faire de circuit du jour, mais je regarde un peu ce qu'il y a. Oh. Ça, ça m'intéresse. Ça, bof, ça, bof. Ça, ça peut être sympa. Ça, je sais pas trop. Ça, ça a l'air grave cool. Enfin, ça, ça a l'air vraiment grave, grave cool. Si on va sur les parties qu'on voit en... autour des... A voir où est la route, en fait. A voir où est la route. Mais celle-ci, il y a moyen qu'elle soit... Mais si, il y a des checkpoints et tout. Celle-là a l'air méga chouette. Celle-là, je sais pas, elle est peut-être bien. Celle-là, non. Il y a des gens dans le chat... Bon, est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui peuvent me dire... Si les 2 et 3... Non, les 3... La médaille... Ouais, surtout la 3. Est-ce que la 3, elle est dure, en vrai? Est-ce que la 3, la médaille d'or, elle est vénère? Très spéciale. Pourquoi elle est très spéciale? C'est une mécanique spéciale, Happy Bullet, ou très spéciale juste dans le sens... Ah, 3 et 6, horrible. Ok, dommage. C'est une map fun, mais particulier. Ok. Putain, c'est dommage. Ou alors, je clique juste pour regarder l'aperçu. C'est du glider. Ça veut dire quoi, du glider? Désolé, je connais pas trop les termes techniques. Je clique dessus, mais je vais pas la faire. Je veux juste voir à quoi ça ressemble. S'il y a une présentation de la map. Du bois plus de l'eau. Ah, d'accord. C'est hyper dur, du coup. Genre la médaille d'or est catastrophique. Et la médaille d'or est méga méga dure, genre. Genre par rapport à la map qu'on vient de faire. Vous avez pas le droit de mentir, sinon vous êtes ban. C'est pas très fun en vrai, je trouve. Faut capter la mécanique. Oui, c'est dur. Ok. Je me souviens jamais des médailles. Plus dur. Et toi, Pibelette, tu avais trouvé ça amusant ou pas tellement du coup? Vas-y, je regarde juste ce qu'elle donne, mais je vais pas la faire. Je veux juste regarder vite fait. Ah ouais, c'est que de l'anticipation. Ouais, elle a l'air chiante.
Moi j'ai bien aimé, dit Happy Bullet. Ouais, ça va pas trop m'amuser de tourner 3 plombes en avance tout le temps. Ça a l'air incroyable, ça a vraiment pas l'air incroyable. Hein. Mais si tu veux, on peut regarder le GPS, Coplico, de la map. Comme ça, t'auras l'impression de l'avoir fait en... Enfin, que je l'ai fait en entier. Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible. C'est vraiment horrible, en vrai. Ah. Ouais, non, ça continue. Ok, ouais, non, c'est pas fun du tout. C'est dommage parce que la map est magnifique. On va regarder le GPS. C'est dommage parce que la map est magnifique, mais... Mais c'est pas... Enfin, c'est une mécanique tellement spécifique que ça m'amuserait pas du tout. Ah, c'est dommage parce que j'aime trop... Je sais pas comment expliquer, j'aime trop la... Le fait que ça monte comme ça dans les airs et tout, avec la déco et tout, je trouve ça vraiment beau. Elle est ultra ultra dure. Mais pour les gens qui... En fait, c'est vraiment très intéressante pour les gens qui sont hyper chauds à Trackmania, je pense. Ouais, on dirait du drift, mais c'est pas tout à fait du drift, du coup. Ok. Et ben... Ouais. Ouais. Dommage. Oh, si peu de Trackmania. On a fait un live de 5h30 hier, Coplico, sur Trackmania. Mais là, si tu veux une heure de Trackmania en plus, il suffit de lâcher 1000 subs, Coplico. En vrai, n'hésite pas. Ça va, je suis sympa. Je pourrais ban les gens qui utilisent un bloqueur de pub. Donc, considère que mon offre de 1000 subs pour une heure de Trackmania, c'est... C'est gagnant-gagnant. Si GeoGuessr, non, j'ai personne avec qui jouer à GeoGuessr là. Bon allez. Je vous dis à demain, on jouera au jeu vidéo Steep. Un jeu de snowboard, wingsuit, etc. qui est ultra ultra chouette. Que j'ai recommencé depuis le début la semaine dernière et que je vais continuer demain soir, probablement à partir de 19-20h environ. Ok. Je vous envoie chez Aurel Portero qui joue à Luigi's Mansion 1 parce que c'est un excellent jeu. Et parce que c'est une excellente personne. De gros bisous, à demain, ciao tout le monde !